Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est avec une vidéo que vous m'avez énormément demandé, à savoir si j'avais quelques secrets pour, et surtout un secret pour faire en sorte que mes cheveux poussent aussi vite. Parce que vous m'avez beaucoup posé la question, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, peu importe le biais par lequel vous m'avez posé la question, vous avez été nombreuses à me demander si j'avais quelque chose pour faire pousser les cheveux. Et forcément oui, parce que si vous voyez mes vidéos d'il y a quelques mois et les vidéos maintenant, vous vous rendez compte que mes cheveux ont vraiment bien poussé, ils ont dû pousser à peu près de ça. Mes cheveux m'arrivaient au niveau des épaules. Donc première chose, je ne porte absolument pas d'extension. Parce que vous avez été quand même quelques-unes à me demander si je portais des extensions. Alors non, j'en porte pas. J'ai jamais porté d'extension de ma vie parce que j'ai la chance d'avoir les cheveux assez épais, assez volumineux. Et voilà, et au niveau de la longueur, il pousse vraiment très très vite, donc ce qui fait que je n'ai pas besoin de porter d'extension. Donc voilà, première chose, je ne porte pas d'extension. Mais effectivement, j'ai quelques petites choses, quelques petites astuces et surtout un gros truc à vous montrer pour faire en sorte que vos cheveux poussent bien plus vite. Alors effectivement, j'ai quelques petites choses à vous montrer pour faire en sorte d'accélérer la pousse de vos cheveux. Alors il y a des petites choses que sans doute vous allez connaître, mais ensuite il y a une chose que moi j'utilise qui est vraiment mon indispensable, en tout cas pour moi, pour faire en sorte que mes cheveux poussent bien plus vite. Et je l'utilise depuis pas mal d'années et je dois dire que j'ai jamais été déçue. Enfin mes cheveux... En général, c'est simple, quand je vais chez le coiffeur et qu'il y a un petit raté, ça me dérange pas parce que je sais que mes cheveux derrière vont pousser extrêmement vite, donc voilà, le drame entre guillemets ne restera pas très longtemps. Alors, on va quand même passer sur certaines choses. Alors il faut savoir, première chose pour faire en sorte que vos cheveux poussent plus vite, c'est déjà d'en prendre soin. Et pour en prendre soin, il faut connaître la nature de vos cheveux. Voilà, savoir si vous avez les cheveux fins, si vous avez les cheveux épais, s'ils sont secs, s'ils sont gras, s'ils sont cassants, s'ils sont abîmés, si... Enfin bref, il faut vraiment connaître la nature de vos cheveux pour prendre des soins qui sont adaptés à vos cheveux parce que ça ne sert à rien de dépenser 40€ dans des produits qui ne sont pas adaptés à vos cheveux. Ça n'aura aucun intérêt, ça vous fera juste en sorte que vous dépensiez de l'argent pour rien. Alors autre chose que j'ai déjà utilisée pour faire pousser mes cheveux, je l'ai utilisée il y a quand même quelques années de ça, c'était des petites gélules levure de bière en fait. Voilà, c'est des petites gélules que vous prenez pendant 30 jours, 45 jours, grand maximum, pour faire en sorte d'accélérer la pousse des cheveux et voilà, d'accélérer aussi la pousse des ongles. Alors moi j'ai tendance à dire que ça va pas forcément accélérer la pousse de vos cheveux, ça va faire en sorte de les fortifier, de les renforcer, de faire en sorte qu'ils soient plus sains, et c'est ça en fait qui va faire en sorte que vos cheveux poussent plus vite. Parce que c'est tout simple, si vos cheveux sont abîmés, ils arrêtent de pousser, c'est automatique. Plus vous allez avoir les cheveux abîmés, moins ils vont pousser vite et moins de toute façon ils pousseront tout simplement. Donc voilà, pour moi ça fait plus quelque chose comme fortifier vos cheveux, faire en sorte qu'ils soient plus sains, et ce qui fait que vos cheveux poussent plus rapidement. Autre chose dont j'ai beaucoup aussi entendu parler, c'est l'huile de ricin. Alors je sais qu'il y a pas mal de gens qui utilisent de l'huile de ricin, que ce soit pour leurs cheveux, pour leurs cils. Moi j'ai jamais utilisé, voilà, je n'utilise pas ce type de produit parce que forcément j'ai les cheveux qui poussent assez vite et ce que moi j'utilise me convient parfaitement, donc j'ai pas besoin voilà, d'utiliser d'autres choses. Maintenant, je fais des bains d'huile souvent, alors que ce soit de l'huile d'argan, que ce soit plein d'huile, de l'huile de jojoba, tout ce que vous voulez d'ailleurs, l'huile de jojoba c'est vraiment extrêmement bien pour les cheveux, que ce soit l'huile que vous souhaitez en fait. Trouvez et choisissez l'huile en fonction de vos cheveux, des besoins du moment. Et voilà, moi je sais que je fais pas mal de bains d'huile, mais surtout, et là on va passer directement à, pour moi, qui est mon indispensable pour les cheveux, mais vraiment je vous en ai déjà parlé de toute façon, c'est vraiment l'indispensable, que ce soit pour les mettre en place, que ce soit pour accélérer la pousse, c'est vraiment la chose dont je ne peux absolument pas m'en passer, c'est mon petit cordon. Alors petit non, parce qu'il est quand même, comme vous pouvez le voir, vraiment assez grand, mais voilà, c'est mon cordon, c'est ce que j'utilise, mais tous les jours, le soir en fait, je le porte en fait, j'enroule mes cheveux à l'intérieur du cordon. Si vous voulez, je vous mettrai le lien d'une autre vidéo pour vous montrer vraiment comment faire, pour enrouler le cordon autour de vos cheveux. Mais c'est vraiment ce que j'utilise, je l'utilise tous les soirs. Et pourquoi je l'utilise le soir? Parce que tout simplement, c'est à ce moment-là que vos cheveux poussent. Donc si par exemple vous avez l'habitude de dormir les cheveux détachés, alors je sais qu'il y a certaines d'entre vous où c'est juste impossible de dormir les cheveux attachés, mais pour moi je trouve que c'est vraiment l'élément essentiel pour faire en sorte que vos cheveux poussent plus vite. Alors soit vous les mettez dans un cordon de ce type là, alors vous n'êtes pas obligé d'avoir le même, hein. Vous allez dans une mercerie classique et vous prenez un ruban et un cordon et vous le faites vous-même. L'idée c'est que
Alors, vous m'avez beaucoup demandé c'était quoi la matière. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est du lin. Je pense que c'est du lin. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez rigide tout en étant un petit peu souple. Et il faut que la bande soit assez large pour que vous puissiez vraiment bien enrouler vos cheveux à l'intérieur du cordon. Alors, moi, je l'utilise tous les soirs. Alors, je sais que certaines d'entre vous ne peuvent absolument pas dormir les cheveux attachés. Mais moi, c'est l'inverse. Je ne peux pas dormir les cheveux détachés. Parce que de toute façon, mes cheveux, ils s'enroulent un petit peu autour de ma tête. Je finis par être étouffée par mes cheveux. Du coup, voilà, j'utilise cette petite chose-là et franchement, c'est juste mais excellent. Ça permet vraiment de prendre soin de vos cheveux, de faire en sorte qu'ils poussent plus vite parce que forcément, vos cheveux poussent la nuit. Donc, le frottement contre l'oreiller, contre les draps, contre le matelas fait que vos cheveux, de toute façon, vont être abîmés et donc ne pousseront pas. Enfin voilà, pour moi c'est juste impossible qu'ils poussent. Alors, si vous n'avez pas, vous avez d'autres options aussi. Soit vous prenez un cordon classique, par exemple les bandes qu'on utilisait quand on se faisait une entorse. Alors je sais pas, ça fait quand même quelques temps que ça existe, mais bon, je sais pas si c'est encore disponible. Je pense que oui, en pharmacie vous allez pouvoir le trouver. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire une tresse toute simple sur vos cheveux, mais vraiment faire en sorte qu'ils soient vraiment bien protégés. Juste une tresse, alors pas très très serrée, mais assez souple, mais ça va faire en sorte que vos cheveux soient protégés. Ou alors d'attacher vraiment vos cheveux sur le sommet de votre tête en fait, ce qui fait qu'ils ne vont pas frotter contre le matelas, contre l'oreiller, et du coup bah, ils vont être plus sains et pousser plus vite. Moi c'est vraiment ce que j'utilise, et en général ce que je fais c'est que je fais en sorte de faire des bains d'huile et je les laisse imprégner l'huile durant toute la nuit et j'applique le cordon par-dessus, ce qui fait que mes cheveux, en dehors d'être super doux, super souples, brillants, tout ce que vous voulez, ils poussent extrêmement vite. Alors je sais que beaucoup d'entre vous vont me dire « Non mais, ouais d'accord, mais c'est pas un cordon qui fait pousser les cheveux, mais si, je vous garantis que ça fonctionne, mais super bien, testez-le. Vous allez voir, vous allez plus pouvoir vous en passer, pour moi c'est juste magique. Si j'avais vraiment un indispensable pour mes cheveux, je pourrais me passer de lisseur, je pourrais me passer de ma broche, je pourrais me passer de plein de choses, mais alors ça, je ne pourrais absolument pas m'en passer. Ça doit faire maintenant plus de 15 ans que je l'utilise. Et voilà, c'est mon chouchou, c'est vraiment la chose que j'aime utiliser pour mes cheveux, pour en prendre soin, pour faire en sorte qu'ils soient quand même assez résistants. Et de toute façon, c'est tout simple, vous l'avez vu vous-même, hein, de mes vidéos d'il y a quelques mois et de mes vidéos là maintenant, mes cheveux ont vraiment bien poussé et mes cheveux poussent extrêmement vite. C'est pas la première fois, on me le dit souvent en fait, que j'ai des cheveux qui poussent assez vite, mais c'est ça. C'est pas mes cheveux, c'est pas... Souvent on dit que c'est de l'alimentation, mais moi je vous garantis que là-dessus je suis la pire des personnes parce que je mange très très mal. Je ne mange absolument pas équilibré, oui je sais c'est pas bien, mais bon c'est comme ça. Je ne mange absolument pas équilibré, ce qui fait que ce n'est absolument pas lié à l'alimentation que j'ai. Et c'est vraiment lié à cette petite chose-là. C'est magique. Vous allez pouvoir le trouver que ce soit dans les merceries, que ce soit sur les marchés. Vous allez pouvoir le trouver. Sinon, si vous êtes intéressé pour l'avoir, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je verrai ce que je peux faire pour essayer de vous en avoir quelques-uns. Et puis voilà. Enfin, moi, c'est vraiment ce que j'utilise. Alors, en dehors du fait de prendre soin de mes cheveux avec des masques adaptés, enfin voilà, des bains d'huile, tout ce que vous voulez, mais c'est ça. C'est mon indispensable, moi, pour faire en sorte que mes cheveux poussent et poussent plus vite. Et surtout, poussent voilà, en étant plus vigoureux, plus résistant, plus brillant. C'est vraiment cette petite chose-là. Alors vous pouvez très bien en complément utiliser de la levure de bière, utiliser de l'huile de ricin, utiliser tout ce que vous voulez. Moi j'avoue que comme j'ai ça, j'ai pas besoin d'utiliser d'autres choses. Je n'utilise plus de levure de bière, je n'utilise plus d'huile de ricin, j'utilise exclusivement ça. Et ça fait parfaitement l'affaire. Enfin voilà, mes cheveux poussent extrêmement vite et tout en restant plutôt fort et résistant. Du coup voilà, enfin, vous avez voulu savoir, je vous donne mon secret, c'est le petit cordon. Si vous avez la chance, la possibilité de le tester, n'hésitez pas, allez-y, parce que je vous garantis que vous n'allez pas être déçus. Et puis voilà, n'hésitez pas vous à me dire quelles sont vos astuces pour faire pousser les cheveux, que ce soit des astuces plus chimiques, plus naturelles, enfin bref. Donnez-moi toutes les astuces que vous utilisez pour accélérer la pousse de vos cheveux. Et puis moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut !